Et salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, l'épisode 7 de Pokémon Ranger, n'importe quoi, l'épisode 3 de Pokémon Ranger, l'épisode 7 c'est pour Platine. Dans le dernier, enfin dans le dernier, dans l'épisode qui va être diffusé en bonus, on a rencontré Hilario, il nous a raconté, on lui a posé des questions et tout. Et là, on doit retrouver Steph, parce que Steph, en fait, il y a des capsticks qui ont disparu. Et on doit retrouver Steph, tout simplement, parce que Monsieur Krog, Monsieur Krog, tout simplement, l'accuse d'avoir volé les capsticks. Donc, on doit retrouver Steph. Donc, alors, il n'est pas ici. Non, il n'a pas l'air. Donc il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans cet épisode. Enfin, dans l'épisode dernier du moins. Donc ah oui, on a eu un vrai capstick. Enfin, on a eu un capstick scolaire incorporé avec des vocogrammes. Donc on peut ça. En fait, il n'y a que moi et Rhythmie qui l'avons eu. Parce qu'à un moment, ça aurait dû être Steph. Mais comme Steph a disparu, bah, elle me l'a donné à moi. Donc vocogramme, ici Rhythmie, je suis au rez-de-chaussée. Rejoins-moi à l'entrée de l'entrée principale, vite. Bon, on va aller rejoindre Rhythmie à l'entrée principale. Oula, toi, tu m'énerves. Je m'apprêtais à aller nourrir le connoisseur dans la cour quand j'ai trouvé un capstick. Auriez-vous perdu le vôtre? Non, apparemment ce n'est pas le cas. Darkice, allons jeter un œil dans le cours de l'école. Merci pour l'info, aimé. Hey, regarde-moi ça. Ah, un capstick. On dirait un des capsticks qui a disparu de la salle des profs, non? On en trouvera peut-être d'autres par terre, inspectons les environs. Oula, il m'a fait peur lui, c'est une hirondelle. Attends, j'entends des voix. Allons voir ce que c'est. J'aime bien la musique. Steph, que fais-tu ici? Qui est cet homme? C'est un sale voleur. Il sortait en douce de la salle des professeurs, alors... Oula. Évitez de souffler dans le micro. Il sortait en douce de la salle des professeurs, alors je l'ai interpellé. À ce moment-là, pouf, le voilà en ce qui s'enfuit en courant. À 3 contre 1, c'est pas juste. Je file, adios. Berk. Ouah, je n'y vois plus rien. C'est lourd. Ça fait mal. Ça pue. À l'aide. Un pari cool s'est laissé tomber de l'arbre. Bien fait pour toi, ça t'apprendra à voler. S'il vous plaît, je ne recommencerai pas à l'aide. Partons, ce type est sans intérêt. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le devoir d'un ranger d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Darkeye, s'il te plaît, capture ce pari cool. D'accord, donc j'espère que je suis... Enfin, je me suis un peu entraîné. Moi, je devrais être un peu moins mauvais. En fait, c'est juste que je me presse trop d'habitude. Ouais, enfin, vous me direz, lui, il bougeait pas beaucoup, hein. C'était un peu de la triche. Donc voilà, donc on a capturé le pari cool et on est passé level... Combien? Level 4. Parfait. Et on a capturé le pari cool. Enfuis-toi, petit pari cool. Piouf, piouf. Enfin sauvé. Merci de m'avoir secouru. Que se passe-t-il ici? Vous avez disparu vous aussi, nous étions à votre recherche. Eh bien voilà Steph et les capsticks. Madame Avril, cet homme est le voleur. C'est lui qui a dérobé les capsticks. Ouais, pourquoi tu volais nos capsticks? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Je suis désolé. J'ai toujours rêvé de devenir un ranger. Mais j'ai grandi sans rien faire pour en devenir un. Je voulais réaliser de nombreux rêves et je n'ai jamais su quoi faire dans ma vie. Et pourtant, je n'ai jamais pu abandonner le rêve de devenir ranger. J'ai pensé que si j'avais un capstick, je pourrais peut-être enfin réussir, mais... Que racontez-vous? Vous allez me mettre en colère.
Il n'est jamais trop tard pour apprendre, l'école est aussi ouverte aux adultes. Il est suffisamment... Avec suffisamment d'efforts, vous pourrez devenir un ranger. Si vous ne pouvez abandonner vos rêves, donnez-vous-en les moyens de les réaliser. Madame, la vue de ces capsticks m'ont ensorcelé, tous posés là, à portée de main. Je voulais juste en prendre un, mais j'ai fini par tous les emporter. Comme avec vos rêves, c'est toujours tout ou rien. Vous devriez rentrer chez vous et réfléchir sérieusement à votre avenir. Vous pourriez songer à réaliser votre rêve de façon plus conventionnelle. Je vais y réfléchir. J'ai bien entendu. Rentrer chez moi. Vous me laissez rentrer chez moi sans la moindre sanction. Madame, je n'arrive pas à y croire. Ainsi, Steph essayait de mettre la main sur le voleur des capsticks. Ceci s'est passé pendant mon absence. Eh bien, même si le voleur s'est enfui, je suis soulagé que tout le monde soit sain et sauf. C'est le plus important que les capsticks. C'est à cause de son comportement déplorable que Steph a été accusé. Rythmie a pourtant fermement cru en son amie, j'avoue avoir été impressionné. Elle a montré le plus essentiel des qualités du technicien. Hey! Darkai, son travail avec Rythmie a été aussi impressionnant que ta capture. Le grand sourire du pari cool ne laisse place à aucun doute. Steph, tu es beaucoup trop agité. Tu dois compter davantage sur tes collègues. Un ranger ne peut pas tout faire tout seul. Je pense que tu feras une expérience, l'expérience tôt ou tard. Ceci dit, tu dois agir pour le mieux. Dis, tu écoutes? Grin. Le voleur ne s'est pas enfui, nous l'avons laissé partir. Écoute, Rythmie, tu comprends, non, je me sens un peu coupable, mais Rythmie, tu as cru en moi. Et ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Tout comme notre voleur aujourd'hui, nous avions peut-être tous des démons cachés. Mais il est important de ne jamais vivre dans l'ombre de ces démons. Dans l'un des livres de la bibliothèque, il est écrit que un mot ancien existe dans la région d'Almia, ce mot est vatinage. Il signifie rallumer la flamme qui fut étouffée par l'obscurité. Vatinage. Aujourd'hui, vous brillez tous d'une pureté cristalline. C'est mon nom. Ne perdez jamais cette lueur. Oh là, mais je radote. Vous feriez mieux de retourner en cours maintenant. Ah, enfin. Oh, encore du blabla. Cher grand frère, merci pour ta lettre. Vocogramme. Nous avons trouvé où nous installer. Nous irons à Bourchicor dans Almia. On se verra après tes études, ta petite sœur. Ah là là, j'ai plus de salive à force de parler. C'est sûr qu'il y a beaucoup de blabla dans ce Pokémon Ranger, hein. Vivement qu'on parte de cette école. Votre journée de stage se déroulera aujourd'hui. C'est l'occasion d'avoir un avant-goût des métiers de ranger, technicien et mécanicien. Il vous faudra vous rendre à l'endroit où vous vous êtes inscrit. Ne flânez pas en route et faites attention à vous. Bien. Darkai et Steph, vous allez tous les deux à la base ranger de Véterville. Iliaro y travaille. C'est lui qui avait quitté la leçon en plein air pour sauver un démenta. En tant qu'apprentie technicienne, je dois me rendre à la Fédération Ranger. Oh, ça me fait penser. Il y a un article spécial sur la Fédération Ranger dans le journal aujourd'hui. Ah oui, c'est cool, de temps en temps, on va voir les échos d'Almia. Donc en fait, c'est le journal tout simplement de Almia. Donc là, on nous parle de la Fédération Ranger, donc la visite du QG de la Fédération au cœur des opérations. Le poste de commandement, donc ça, ils expliquent le poste de commandement. Et Marthe, c'est la présidente de la Fédération Ranger. Donc Marthe, bah, vous allez le voir, on va la rencontrer plus tard dans le jeu. Donc là, comme vous le voyez, la Fédération Ranger, c'est un genre de... Ah oui, là, c'est beau. Donc vivement que je vous fasse voir, c'est assez classe. Moi, perso... Cette fédération, je la trouve assez belle. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, chacun ses goûts. Bien.
Donc, on va passer et on va se rendre à notre stage. La Fédération Ranger est loin d'ici. Je ferais mieux de partir. À ce soir. Bien. Darkaï, tu vas à Véterville aussi, alors faisons le chemin ensemble. Ok. Donc, on va enregistrer au cas où, hein, vous savez quoi. Là. On sait jamais. Même si c'est long, au cas où si j'ai pas le temps d'enregistrer bah, pendant la fin de la vidéo, et ben je quitterai le jeu comme ça et puis et puis je recommencerai d'où on était parti. C'est pas bien grave, ça doit pas être bien long, je vais pas faire grand chose je pense. Alors je crois que c'est par là. À l'aide! D'accord. Encore des connotors, non. Hein? Ces petits hommes, ils jouent à cache-cache avec des connotors? Mais non! Vous ne voyez pas que ces connotors m'ont attaqué? D'accord. Écoutez-les, ne tord, ne tord. Ils veulent me grignoter le derrière. Mais non, petit homme, ces connotors veulent sûrement juste jouer. Facile à dire pour vous, j'ai pas peur d'avouer, mais... J'ai une peur bleue des Pokémon, bleu foncé même. Mais ces connotteurs sont adorables. Darkaï, tu le connais? Je te présente Titom, c'est le laitier du coin. Il a une peur bleue des Pokémon, mais eux semblent l'apprécier. Je pense que c'est l'odeur du lait qui les attire comme des mouches. Enfin, le devoir de tout Pokémon Ranger est de toujours aider son prochain. On dirait une bip, tu sais. Ces connotors ont l'air un peu agités. Ils sont peut-être un peu coriaces. Séparons-nous, j'en capture un, tu captures l'autre. D'accord. Allez, capture l'autre, toi. Voilà. J'espère qu'il va pas être trop agité, le petit connotor, hein. Ça commence bien. Quoi de... D'accord. Voilà, on a perdu nos premiers dégâts. Enfin, on a perdu notre première vie, quoi. Oh là! Putain, mais c'est pas possible, je suis mauvais aujourd'hui. Oh là! Je sens que je vais en caguer. Oh là! Voilà, on a perdu beaucoup de dégâts, on a perdu la moitié de la vie du Capstick. Ça, c'est pas cool du tout. Même pas cool du... Ouais, pas cool. C'est même pas cool, je dirais. Bref. Donc voilà, donc on a libéré petit Tom des Connotaur. J'adore en plus le Connotaur, il lui passe à travers. C'est assez marrant. Et voilà, mission accomplie. Petit Tom, nous avons la situation en main. Nous avons calmé et relâché les Connotaur. Aïe aïe, quelle trouille. J'ai eu peur. Mais me voilà sauvé. Me v'là sauvé. Mais j'ai toujours peur. D'accord. Je vous remercie tous les deux. Ces Connotaur voulaient me grignoter le derrière. Au fait, votre tête ne dit rien. Vous venez d'arriver? Je vous présente Darkace, qui vient de Fioré. Ces captures sont incroyables. Enfin, pas autant que les miennes. Un nouvel étudiant, hein? Eh bien, cher nouvel ami, merci beaucoup de m'avoir secouru. Je dirige un petit élevage laitier familial à Véterville. Venez donc me voir un de ces quatre. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? On vous accueillera à bras ouverts. Nos petits seront contents de vous voir. Petit homme a beaucoup d'enfants. Tout le monde connaît aussi sa femme. J'oublierai pas que vous m'avez secouru. Je vous prédis un bel avenir de Granger. De Granger, oui. Bien sûr. On n'est pas non plus dans Harry Potter. On va bientôt être en retard. Dépêchons-nous d'aller à Véterville.
Je me demande si on peut retourner là-bas. Ouais. Donc du coup, bah, tant que j'arrive à la borne de sauvegarde, ça serait cool que je soigne mon capstick. Parce que là, ça va être un peu galère si j'ai des captures à faire. Donc on va aller dans la salle de Madame Avril. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo bah, vous a plu. Certes, elle est courte, 16 minutes environ. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à pouce bleuriser la vidéo. Et je suis encore désolé pour les trois vidéos qui n'ont pas marché. Enfin, en fait, je vais poster deux bonus, celle de Pokémon Platine et Ranger les plus importantes. Parce que My Ninja encore ça va, c'est pas non plus plus importante. En plus, si vous voulez jouer, eh ben voilà, c'est facile. Il faut juste vous créer un Facebook. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas à bah, je sais pas quoi, à commenter si vous avez des infos à me dire ou n'importe. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!